It's always easy keeping oaths and promises in the light of day, in predictable everyday life. But when darkness comes, only your survival instinct can guide your decisions. He couldn't make it, sir. Mud and the smell of death are friends who will always judge you. Can your own suffering redeem you for decisions that are never completely right? Et bonjour à toutes et à tous, c'est Top65 et on se retrouve pour l'épisode 48 de War Hospital. Alors, sur l'épisode précédent, donc on a maxé notre production, c'est-à-dire on ne peut plus faire d'amélioration de production. Les améliorations de traitement, ben de soins, du coup on ne les fera pas, hein, puisque vous savez, j'aime pas les debuffs que ça donne. À moins que j'ai mal compris le truc, mais j'ai pas l'impression. Hein. En fait, on gagne les améliorations qu'on a sur l'aile de traumato, on gagne bien sûr un buff, mais enfin un buff positif, mais on en perd. Voilà, ça nous en donne deux quoi, 25% de réhab plus longue. Trois fois, ça fait beaucoup. Voilà, donc Hugo, bah, il fout plus rien, hein, il se repose tranquille, parce que si bien il a un trait pourri là, qui fait baisser le moral. Peut-être le mettre à bosser quand même, on verra. Parce qu'à force de bosser, au final, il va prendre de l'expérience. Donc peut-être je pourrais virer ce trait-là, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Ben, nos éclaireurs sont normalement tous à l'hôpital. On va avoir pas mal d'attaques là ces prochains jours. J'espère que ben, on arrivera à récupérer tout le monde dans les tranchées, parce que ça commence à être compliqué. Hein. Ça commence à être très compliqué. Ils arrivent facilement en phase terminale des tranchées. Voilà, du coup, pas plus, on va faire ça, on va essayer de survivre jusqu'au 11 novembre. Ouais, 11 novembre. Jusqu'à ce que les Allemands capitulent. Parce que oui, hein, spoiler alerte, ils ont capitulé. Non, j'ai pas fini le jeu de mon côté, j'ai juste suivi mes cours d'histoire. Allez, hop, on est reparti. Et OPS, ils aident à ne pas se dégrader les patients. C'est bien aussi. Donc on sera vert avant le 11 novembre. Et là on est bleu, donc pour le moment on envoie au QG. Là. Ça QGTise. Voilà, ça part au QG. On va regarder s'il y a tant d'éclaireurs. Il n'y a pas des trucs nouveaux, mais j'en vois pas. Je vois pas de rouge, donc c'est bon. Du coup, tout le monde glandouille. Et c'est très bien. Et c'est glandouillé. Et ils en ont vu des vertes et des pas mûres, donc voilà. Et du coup, c'est reparti. Alors, est-ce que j'ai des patients? Non, pas de patients, mais je vais en avoir. Là, on a 16 personnes dans les tranchées. Ok. Ok, tiens. Ça, je voudrais voir un peu. Hugo. Hugo, tu pourrais aller bosser où? On va aller bosser nulle part. On va te mettre ici, tiens. Vous êtes sur le quart 3 de 8 heures. Ouais, on va vous mettre. Ah ben non, je peux pas les mettre en quart de 8. Si, après je peux faire 2-2, mais il faudra que je. Ouais, ça va être chiant. Moi, il me remonterait le moral, mais bon. On va le faire bosser ce quart-là. Il va me faire un peu plus de. De midoc. On fait de l'alcool. On est bien en alcool. Alors, ça change. Il va me faire baisser le moral, hein. On a 79 là. Mais bon, on a des ressources. Hein. Ration, on en a plein. 9, parfait. Tout ça. Je commande tout ça. Ouh, Larry. Parfait, ça, bien Larry. Médecin chimiste. Premier up. C'est cool. Alors, les rations se fatiguent légèrement plus lentement. Travail se rend mieux. Le moral augmente en six travail. Parfait. Voilà. J'aurais bien pris les rations aussi, mais les rations, on est bien, on est à 20. À 247 de rations. Donc, voilà. Plus apte, bah, tu partiras, c'est pas grave.
Ah, faut le faire bosser l'autre, parce que du coup, on va peut-être réussir à lui faire péter son malus. Réparation est annulée. Hein, quoi? Diagnostic initial était incomplet. Le nombre d'éclats d'obus dans le corps du patient est plus important que prévu. C'est un miracle s'il est toujours vivant, mais les chances de le sauver sont plus minces que prévu. À retirer les éclats manuellement, opération plus longue et risque d'échec plus conséquent. Utiliser électroaimant pour retirer les éclats, ouais. Sinon on annule l'opération et Dice va mourir, donc non. Hop. Ça fait un moment d'ailleurs, en parlant de ça, qu'on n'a pas eu de requête. On n'a pas eu de VIP. On n'a plus de VIP en fait. C'est longtemps ouais, qu'on n'a pas eu de VIP. C'est curieux. Peut-être que à la fin de la guerre, les gars ils se calment sur les VIP. Hein. Voyons voir les affectations. Parce que voilà. J'ai eu qui se repose. Toi, tu retournes là. On va mettre Noah ici. On va essayer de se reposer un peu. Mais faut que ça bosse. Ah. Stable, bon. Ou stable, bon. Voilà. Il vous reste 20 personnes au poste de secours. Tranchée incluse. Hein. Au centre de réduc, on a des gens à trier, oui. Enfin, toujours puissant. Ça va arriver à 9h du matin. Enfin, 8 vers midi, je pense. Je veux dire 9h du matin, non, c'est vers midi. Et Moralos, c'est parfait. Là, OPES, c'est bon, ça change bientôt, là, les gars. Ah, Max Banton, vous repartez bosser. Ah, c'est beau ça. Un peu moral augmente comme ça. Et qui est épuisé. Ah mais non, c'est eux. Je pensais qu'ils étaient... Oui, on puissait dans le PES, je suis bête. Ah bien. Très bien. Ouais, moins bien. Beaucoup moins bien. En fait, quand on entend ce bruit là, c'est que on augmente en moral. C'est cool. Ok. Donc on a 4 lettres, mais il ne s'en va rien. Je sais pas comment on est personnel, hein, je suis fou partout. C'est fou, hein, au début du let's play, on avait du mal à avoir des... pouvoir recruter des gens. Ah, je pourrais recruter des ingénieurs supplémentaires. Ah bah, vas-y. Vas-y, vas-y. Je pensais que je pourrais recruter personne. Alors, ça va être encore deux ingénieurs avec des trucs pourris, mais... ouais. Des tissus fondus, Moralos. Ah, on pouvait pas commander des gens, enfin récupérer des gens. Il reste 7 personnes. Alors, Noah, tu repars là-bas. Damien, tu repars là-bas. Voilà. Il reste 7 personnes et vous allez gérer à 4. Hein. Toujours en 24 heures, mais vous allez quand même gérer à 4. Ok, 2 personnes qui arrivent à 10 heures. Et après, là, j'ai eu des ressources que j'ai commandées. Oui, je sais. Vous avez encore demandé 24 soldats, pas grave. Et oui, tu vas le sauver. J'ai foi en toi, donc et foi en toi. Y'a du brouillard, c'est pourri. D'ailleurs. Je vois qu'il y a des gens qui vont partir après la bataille, donc hop, ici, à 13h, ouais, 13h aussi tu peux aller là, et après 10h peut-être, 10h juste après la bataille, c'est pas devenu bleu mais c'est pas grave. Oh, j'ai l'effondrement. C'est pas bon, mais c'est pas grave. T'effondres pas, s'il te plaît. Merci, voilà, tu changes. Moi, j'ai l'effondrement. Comment épuiser. Hop.
Niveau pharmacie, ici, on en a fait assez, puisqu'on n'a plus de malade là pour le moment. Là, c'est en train de d'arriver, donc... Est-ce que je ne mettrais pas Hugo à la place de Diego? Bonne question. Et lui, il va arriver... Ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'on change de... On est en train de changer d'infirmière, donc ça va, ils sont revenus là. C'est-à-dire, il va arriver pile poil avant le truc. Et ouais, est-ce que je vous repasse en car les cimetières? Oui, je vous repasse en car le cimetière. Ouais. Je vous repasse en car. Hop. Voilà. Vous aussi. Il reste 14 personnes, on va espérer que deux équipes feront le taf. Ouh, terminal. Aïe. Et du grave. Oh, du terminal aussi. Terminal, tu vas aller là. Et toi, un grave. Allez. Et quoi, c'est pareil là, je me fais avoir. Des fois aussi, ils sont en terminal parce que j'ai. Comment dire? Ah! Je tarde un peu trop à aller les voir. Oui. Et quoi? Hop, les épuiser. Allez. Comme ça, au moins après les clairs pourront se reposer aussi. Frère Claire, Lucien et Jonathan. Encore. J'aime pas bleu. Bon, les prochains, je les mets au QG du coup. Ok. Ok. Ah, enfin quelqu'un qui vient bosser. Quelqu'un pour les faire bosser eux. Comment vous allez là-haut? Ça a l'air d'aller. Hein. Que un dans les tranchées. Très bien. Damien Claire, tu vas là. Tu vas bosser comme ça. Là, je mets les frères Claire un peu au repos. C'est pas grave. Allez. Tir d'artillerie, youpi. Mince. Non, je voulais pas passer. Je voulais pas passer. Je laisse le cinématique. Direct sur l'auto en plus. Hein. Faut pas oublier qu'on est le dernier rempart. Hein. Ça y est, on a le front et sur l'auto. Donc nos tranchées sont le dernier rempart. Ils ont fait quand même une belle avancée les Allemands. Hein. Ouais, j'ai pas entendu ce que t'as dit, mais si tu le dis. Alors, combien on en a récupéré? 20. 15 dans les tranchées, 3 décès. Bon. Eh ben. Ouais, mais non, mais. Ils sont épuisés, les gars, là. C'est bien Hughes. Hop. Gosling. Et l'éclair. Ils vont là. On fait ça. Et on passe en 24. Et vous aussi. J'ai eu un tout petit peu le temps de vous reposer. Et reposer eux. Ok. Il y a du bon. Il y a du moins bon. Là, ça bosse. Ah, on a nos deux. Alors, veut travailler à pharmacie. Alors, fais voir. Nos deux ingénieurs, comment ils sont? Vu qu'ils sont appartement des personnes, voilà. Rager travaille beaucoup plus lentement avec d'autres, se fatigue plus rapidement lorsqu'il travaille seul, se fatigue légèrement plus, utilise moins de ressources, ok. Ses compagnons se fatiguent plus rapidement. Génial, merci Serge. Se fatigue plus pour chaque amélioration, c'est pas grave. Mais réticent, en fait c'est glandeur quoi.
Alors, Jeremy Adams. Elle est là. Et bah Serge, tu vas rester à opter. Et tu feras en fonction, je sais pas qui est le mieux. Donc, voilà, tu feras en fonction de qui il faut remplacer. On va faire un peu de bouffe, tiens. Ouais. Un petit peu de bouffe. Un critique. Et un bon. Ouais, je sais que t'es épuisé, mais là, je vais pas faire grand chose. Hein. C'est-à-dire que là, ça va piquer, quoi. On va avoir des attaques coup sur coup. Pas de choses pour pouvoir poutrer les Allemands en dehors de nos lignes. Génial. Allez, Max, tu viens là. Et Alexander, où tu viens là? Et Lucien aussi. Ça va les tuer. Deux recrutements, c'est pas le moment non. Franchement non, en fait c'est pas du tout le moment, j'ai plus besoin. Non, donc je vais vous débrouiller. Débrouillez-vous un peu. Bon vert. Et non, on te laissera pas mourir, t'inquiète pas. Maverick. On déploie tout ça, c'est génial. Et du moral en hausse, ça me va. Moral en hausse encore, ça me va. À se reposer. Allez, Richard Murray, c'est bon. On va se reposer. Même si c'est pas vrai, mais bon, c'est pas grave. Ah, voilà, on est bleu. Allez, direction le QG maintenant. Et... Oh non, on leur enverra pas de bouffe. Bon, allez, on leur envoie de la bouffe. Ouais, c'est bon. On est tous dans la même gare après tout. Hein. Ils pètent, nous on pète avec eux. Ouais, vas-y, plus 2. On a pas mal de lettres. Je vais recommander des ressources. 14. 7. J'en ai 23. Également psy. Plutôt ça. Plus de lettres, mais c'est pas grave. Pas un problème. Il y en a un qui voulait bosser à la pharmacie, c'était qui? Mais pas bosser à la pharmacie. Il y avait une préférence là. C'est Jeremy Adams, non? Un réduire le coût. Il arrive à 18h, dans 3h, ok. Allez, on fait des lettres. Hein. On envoie le bout, on envoie le bout. Ah, hop, c'est bon, Lucien Clair, c'est parfait. Zander, c'est parfait. Il manque plus que Maverick et Williams. Et ça devrait être bon. Un réhab plus longue, non. Même si le moral en hausse, le réhab, limite. Diego, tu t'épuises, tu fais de la chimie, on en a commandé.
vais faire de la bouffe et je vais mettre Serge à la place. Ah mince. Tant pis. Ouais, non. Changer de car. Et te reposer un peu. Oula. Terminal. Il meurt. Il est refusé. Faut pas qu'il me bousille mon. Comment ça s'appelle? Ah, mon moral. Bon. Il bousille un peu mon moral. Essaye de sauver tout le monde. Et c'est pas facile. Bon, épuisé, ouais, mais du coup, c'est bon, il va revenir dans pas longtemps. Et encore du. Ah, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les Williams? Enfin, avec Williams, c'est Alfred de la Framboise. Et non. Permettre pour les renlever, c'est ça? Oh. Vous savez pas où c'est là les appartements du personnel, les gars. À 4 équipes, mais bon, elles ont un affaire. Alors, toi, livre une travail modification, léger risque de voler de l'alcool et de rater son cas. Bon, on va virer ça. Pas touché par les traits des autres. En même temps, le moral diminue lorsqu'il travaille. Ah, ça aussi, ça pique. Ouais, mais on vire ivrogne déjà, il ne piquera plus d'alcool. Ouais, le coup parfait. Alors, affectation, Jeremy Adams, épuisé. Ouais, mais t'es pas au bord de l'effondrement, donc hop. Pas te dépasser. C'est bon, lui, il se repose ou pas? Ah voilà, il a dû avoir un petit bug. Attendez un petit peu. Ah voilà, très bien. Jaden, allez, tu vas te reposer un peu. En fait, plus les métaux, mieux c'est. Noah aussi. Max aussi. Voilà, et les autres, c'est bon. Il y a du terminal, mais il meurt. Ah, il meurt pas là. Pourquoi il meurt pas? Ah, parce qu'il y a le repos. Donc là, il est pas en repos. Là, il est en repos. Et je veux pas que tu sois en repos. Non, il meurt quand même. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'y penser. Il meurt quand même. Toi, tu seras pas épuisé. Bon, bien reposé en plus. Moi, oh, j'ai l'effondrement, ah oui. Oui, tu t'épuises hyper rapidement, toi. Allez. Va-t'en. Toi, tu changes de car dans longtemps, 3 heures. Ouais. Ça me tient. On va vérifier, on va regarder. Que il passe pas proche de l'effondrement, c'est tout. Je l'avais vu le critique, bon, je l'ai pas mis. Là, il y a du monde en attente. Voilà. Il y a du monde qui va sortir du coup. J'aurais pu les envoyer au front, hein, mesdames. Mais bon. Tout va bien ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ici, je vais voir les affectations. Jérémy, tu peux partir là. Juste tu es au
plus fatigué. Hop, Jaden Hughes, ça elle est là, Noah Gosling. On va attendre un peu. Attendre 21h, voir s'il a bougé, parce qu'il est à 5h. S'il n'a pas bougé, c'est qu'il va falloir que je remette. Oh là, encore. Ah, j'aurais pu prendre la réhab. Moi, là, on baisse. On en a que perdre, d'accord. Tiens, c'est bizarre, on a. Si, on a commandé pas mal de trucs tout à l'heure. Donc, moral en baisse, moral en hausse, réhabilitation plus rapide, moral en baisse. Ouais, il t'en reste encore quelques-uns, et vous allez finir pas très tôt. Ouais. C'est des mots, j'ai l'impression qu'on les revoit donc. Oh, c'est normal. Hein. Alors, tu vois, Noah Gosling, il n'a pas bougé. Hop. Hop. Approche de l'effondrement dans 20 minutes. Voilà. Ça évitera le projet de l'effondrement. Je vais le remettre sur son car après. J'attends juste que les cars changent. Les infirmières, j'ai pas regardé. Bon, c'est juste. Elles sont juste épuisées. Elles sont pas proches de l'effondrement. Donc, ça va. Ça va, ça va. 22h, hop là, tu repasses sur le car. 14h22. Noah Gosling, hop, je reviens ici. Pas regarder l'autre. Alors, vous en êtes où? Par contre, tourne en flux tendu comme ça, hein. Tout le temps. Il me refait plus de bouffe, mais ça c'est normal. Hein. Je repose. Alcool, on est bien. Mi, on est pas trop mal. Il dit qu'on est bien. À 18. À 18. Est-ce que je fais un peu de ration? Paf. Parfait. Et... laisse-moi rentrer dans le PES, dans le centre de rayon. Bordel. Eh ben l'opération plus longue, on a pas l'hypnose. Tira trop posé après, y a pas de souci. Tu m'as perçu là avant. On est tranché. Si c'est tranché, on va commencer avec Tac, moi, hop. Et Damien. Voilà. Parfait. Ouh, y a quelqu'un qui a augmenté. Mince, ils sont dans les tranchées. Ils sont là. Alors, je pourrais pas virer le glouton, on fait chier. Ok, mais par contre, je peux virer en pratique. Avec une serveur mieux au cimetière. Mais il est au poste de secours, donc c'est dommage. Le moral augmente leur skill au travail. Il fait baisser le moral. Donc on va lui faire monter le moral du coup. Ok, temps de déclare, toujours rien. Sir, operation was successful. Ah, ça c'est bon, ils en ont encore à récupérer, hein, bon 5. Mais c'est faisable. J'ai confiance en eux, réhabilitation. Voilà. Ah, j'ai foi en haut, ah, détaché, avec le temps, les moins 10 minutes, lorsqu'il travaille au PES. Il travaille au poste de secours. Olivier est détaché. Au final, il ne travaille pas au PES. Il n'y a pas de raison.
Idéaliste, mon moral augmente légèrement aussi. Travail, mange un jour sur deux, ça me remplace sévère. Travaille légèrement mieux au cimetière, ouais, ses compagnons sont moins performants. Ou je peux remplacer extraverti. On va lui virer des tâches. Non, on va lui mettre ascétique. Voilà, très bien ascétique. Il reste encore quelques soldats à envoyer. Maintenant, j'en envoie plein. Et mes tranchées sont bonnes, donc j'en envoie plein. Mais du coup, nous, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.